Yo tout le monde, c'est Luzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, tu l'as deviné, voilà, ça fait beaucoup de rimes en haut, enfin vous n'êtes pas allergique aux rimes en haut, j'espère. En tout cas, le retour de TS2, voilà, ça fait un bout de temps, oui, que j'ai fait le premier épisode de la promoise. Oui, je sais, c'est bon. Mais, je vous expliquerai ça plus tard, juste après avoir pris la livraison, évidemment. Donc, on va regarder au prix kilométrique. Non, les grandes distances. Parce qu'on va faire, si possible, une mission qui dure toute la vidéo. Voilà. Genève-Heilbronn. Bah, c'est parfait, ça. Allez, c'est parti. Donc, de Fige à The Link. Donc, oui, j'ai changé le mode. Avant, j'utilisais le mode de... Je sais plus qui, pour les... compagnie réelle, et aujourd'hui j'ai changé, j'ai pris le mode disponible avec la promode 2.1 comme vous le voyez marqué ici. Alors oui, il s'est passé que j'ai essayé énormément de fois de capturer ETS2 avec la promode version 2.03 et apparemment cette map n'aime pas qu'on la capture. Je sais pas ce qui se passe, une censure ou quoi, mais en tout cas vous ne pouvez pas du tout la capturer. Et c'était bien embêtant, évidemment. Du coup, j'ai dû attendre la mise à jour en version 2.10 de la promoise pour pouvoir capturer, en espérant que ça marche. Rien n'est sûr. Ça ne me faisait pas ça avec la version précédente 2.02 sur laquelle j'enregistrais le let's play, le premier épisode. Mais depuis que ça a été mis à jour en 2.03, je ne peux plus. Voilà, je ne peux plus. Alors, est-ce que c'est la mise à jour du jeu? Est-ce que c'est la mise à jour de la promote? Je sais pas, parce que j'ai pas essayé de capturer d'autres maps. Hein. J'ai pas de ça à faire non plus, hein. Exagéré. Mais voilà, c'était bien embêtant. Et donc, habile transition qui me permet, oui, de signaler la sortie donc, de la promote 2.10, qui célèbre le 3e anniversaire de cette map, 3e anniversaire déjà. Alors moi ça fait très peu de temps que je l'ai découvert grâce à Galax, merci Marc. Je ne parle pas de mon père. Et donc oui, Galax est un youtubeur routier, enfin voilà, il fait beaucoup de TS2, voilà. Et donc il m'a donné aussi envie de me mettre à la promote, voilà. Voilà. J'arrête de dire voilà, hein, voilà. Je le fais pas exprès, hein, je vous assure. Et donc, 3e anniversaire de la map. Franchement, toujours une belle map, hein, avec beaucoup d'améliorations. Beaucoup de routes qui ont été modifiées. Et aussi quelques villes qui ont été ajoutées. Surtout les îles... Oh, ça va les lags, là? Mais c'est fini. Et que des lags, lags sur lags. Et oui, je disais les îles anglo-normandes, ainsi que l'île de Man. Faites, c'est une première dans TS2 évidemment, d'habitude avec promose. Bon, par contre, ce que je comprends pas, c'est que ça lag. Là, c'est pire que laguer, c'est complètement bugué. Sinon, oui, je rentre de vacances, je suis tout frais, tout gaillardi, ça se dit, ou bien oui. Je viens pas d'une autre planète. Et c'est parti, enjoy de nouvelles vidéos, en tout cas toutes les semaines, si ce n'est deux fois par semaine. Je vais voir selon mes envies, selon le temps que j'ai, etc. Donc oui, ça fait à peu près la 8e fois que je capture ETS2, et ce parcours-là, je l'ai déjà fait, je sais pas moi, 5 fois peut-être. Non, c'est juste pour vous dire à quel point j'en ai marre de ETS2 qui bug, et j'espère que là ça marchera, parce que sinon j'abandonne. Et ce let's play sur ETS2 ne se finira pas, désolé. Ah, par contre, je suis un peu... Tiens, je rêve ou... Le mode pour le GPS est désactivé. Le mode que j'avais mis. Eh, mais attends. Les trucs qui sont désactivés, là, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça se trouve, j'ai supprimé tous les votes et on est sur la map de base. Et en fait, il n'y a pas de promos. Non, je pense pas quand même. C'est assez détaillé. Oh putain.
vu celui-là, c'était chaud ma gueule. Donc aujourd'hui, j'ai pas de sujet particulier, désolé. Je fais cette vidéo un peu à la one again, je suis désolée. Voilà, ça arrive. Faut dire que j'en ai marre et que ça se trouve, cette vidéo ne sortira jamais. Donc bon, voilà. Juste pour vous dire, je n'ai pas pris de sujet particulier. Tiens, en fait, un petit sujet, la musique. La musique qui est en fond, c'est... Allez vous faire foutre les autres voitures, là. J'ai vu au rétro, juste au dernier moment, c'était trop tard. La musique qui passe en fond, c'est tout simplement des... des adaptations de musique de jeux vidéo, au piano en général, faites sur la chaîne The Nova Project, je suis désolée si je prononce mal, donc par Vince Neid et Atomium. Voilà, Atomium qui est un youtubeur assez connu, hein, il vient de dépasser la barre des 100 000 abonnés, voilà, GG à lui. Et donc, c'est sa musique et celle de Vince Neid, donc on entend. Donc, je rappelle des covers de jeux vidéo. Excellent. Franchement, c'est de la bonne musique, gratuite, donc je vais pas hésiter, quoi. Et sauf erreur libre de droit. Je sais pas. Attention, non, enfin. Je pense pas que je me ferais striker là-dessus. Parce que déjà, je monétise pas la vidéo. Et en plus, parce que sauf erreur, il disait que on pouvait... Attends, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que il descend pas la vidéo? Disait que vous pouvez prendre, c'était en raid. Donc, pour les prochaines vidéos ETS 2 et Train Simulator, je pense que je vais mettre cette musique là en fond parce que honnêtement, elle est tip top nickel. Attends, je mets le petit régulateur de vitesse qui va bien et je fonce dans le mur. C'est très joli. Oui, c'est la reprise d'ETS 2. Voilà. Chaud là, chaud, chaud, chaud. Et donc, oui, et donc. Oui, non, c'est bien la promo. Je reconnais les panneaux. Bernforst House. De quoi est-ce que je pourrais parler? Bah, des vacances, oui, des vacances, tiens, on en parle. On en parle des vacances. Donc oui, les vacances. Je suis allée en vacances, donc en Bretagne, là, à l'ouest de la France, le coin paumé, tu sais où? Enfin non, tu sais pas où, tu sais pas. Mais franchement, la Bretagne, c'est de moins en moins paumé. Il y a plus de touristes. Pff, oh, fais chier. Rien que d'y penser. On est allé à l'île de Bas. Je sais pas si tu vois où c'est. L'île de Bats, pour les non-bretons. Et le problème, c'est qu'il y avait une file d'approximativement, je sais pas, 100 mètres de long, 150 mètres, 200 mètres, je sais pas, pour prendre le bateau. Je précise, il y avait des navettes toutes les 7 minutes, hein. Bon, c'était aussi parce qu'il y avait une course, machin, mais il y a énormément de touristes. Donc la Bretagne, ça commence vraiment à rattraper ce qu'ils ont perdu comme touristes qui sont allés dans le sud parce que je sais pas ce qui se passe, mais il y a énormément de gens de ma classe qui vont dans le sud de la France. Donc c'est Sud-Shepson, je sais pas. Sans compter ceux qui vont autour de la Méditerranée, en Turquie. Bon bref, surtout après ce qui s'est passé en Turquie ces derniers temps. Ça craint un peu. Bon, cela dit, ceux qui sont allés dans le sud, ils sont pas en reste non plus, parce qu'avec Nice, j'ai presque honte de conduire un camion dans un simulateur après. Voilà, donc, pray for Nice. Je soutiens évidemment tous ceux qui se sont. Toutes les familles. Parce que. C'est le genre d'événement qu'on oublie très vite, hein. Ça fait tout le buzz pendant quelques jours, une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois peut-être. Mais après un mois, tout, on oublie. À part ceux qui sont proches des victimes. Voilà, enfin, je veux dire, non, moi je n'oublie pas. Pareil pour les événements qui sont passés en Turquie. Pareil pour ce qui s'est passé à Munich. Pareil pour ce qui s'est passé à Paris il y a un an. Je ne sais même plus combien de temps ça fait, mais enfin, voilà. Je veux dire, ça fait le buzz très vite, mais on oublie, et puis je trouve que c'est mal, quoi. Après, enfin, voilà, je dis ça, c'est ce que je vois. Après, il y a
Peut-être des gens qui me diront en commentaire, oui, mais non, non, n'importe quoi, en fait, tout le monde y pense encore, etc., etc. Voilà, c'est juste une impression que j'ai, c'est tout. Après, bon, on peut parler des attentats à deux minutes. Bon, même si j'ai 14 ans, voilà, je me rends très bien compte de la réalité, je pense. Hein. De toute façon par les médias et tout ça, hein. Je vais sur internet, paf, paf, nouvel attentat, bim. Oh là là. Alors ce que j'en pense, bon déjà, comme beaucoup de monde le dit, mais comme peu de monde l'entend et le croit, j'ai l'impression en tout cas, il ne faut pas mélanger la religion et le terrorisme. Je donne un exemple tout bête. Les croisades. Ok, il y avait la religion, ok, mais je veux dire, la religion catholique, bon, encore ça c'était un peu plus religieux encore que le djihad. Voilà. Le djihad quand même, ils disent se battre pour une religion. Bon, bon, déjà, je sais pas du tout comment est la religion musulmane, hein. Je suis pas catholique, je suis chrétien. On parlera peut-être de ma religion après, mais franchement, je ne crois pas que c'est une religion qui dicte la violence à ce point-là. Je veux dire, ça va, ok, on sait que vous existez, c'est bon, pas besoin de, voilà, pas besoin de tuer des gens pour disons, faire connaître une religion, c'est rien de quoi. Je me demande quand même à quoi ils veulent, hein, ces gens. Je sais pas, honnêtement. Bref, oui, donc ma religion, je suis chrétien, croyant, pratiquant. Dieu, évidemment. Après, je crois pas forcément aux saints. Bon, les saints, à force d'être canonisés, je veux dire, je sais pas combien il y a de saints, il y en a des milliers. Enfin, non, peut-être pas des milliers, quand même, mais des centaines. Faut sortir, là. Non, faut pas sortir. Je sais pas. Disons ça, après, je sais pas. Enfin, les saints catholiques, personnellement, non. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut, hein. Mais personnellement, je trouve que voilà, c'est un peu. Il n'y a plus la Trinité, il y a les. Enfin, il y a la Trinité, puis après, il y a la milité, il y a la mi. Ouais, je ne sais pas comment on dit. Enfin, il y a 1000 personnes en dessous, enfin, en dessous, etc. Tiens, c'est nouveau, ces douanes, là, cette frontière. Intéressant. Ah, j'ai jamais vu ça, c'est pas mal. Excellent. Non, cette promode, franchement, c'est un cadeau. Et d'ailleurs, je vais essayer de prendre une petite photo tranquillement devant la douane, là. Je mets pas mon clignotant pour doubler, rien à foutre. Alors, force du flou, donc moins de flou. Pas mal. Moins de flou, transition. Ouais. Attends, angle de champ, c'est quoi ça? Donc ça, c'est d'accord. Profondeur de champ. Voilà, c'est ça. Je sais pas comment prendre parce que la voiture qui me gêne, je voulais pas qu'elle apparaisse. Bon, ça ira, c'est pas une des meilleures photos du monde, mais c'est raison. J'ai allumé. Pas la peine de.
honnêtement. Après, qu'est-ce qu'ils veulent? Ces gens, tout ça, personne, effrayant quand même. J'ai aussi vu récemment un attentat, je sais plus du tout où ça s'est passé, il y a une semaine peut-être, moins. Un gars qui avait fait un attentat, je crois que c'est dans un train, enfin qui n'était pas revendiqué, qui a fait ça, on dirait en tout cas, pour le plaisir. Le mec, paf, 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 il tue 3-4 personnes et bim, aucune revendication, rien. C'est... Enfin, du coup, en fait, ça fait moins d'une semaine pour moi, mais ça fait certainement plus pour vous qui regardez la vidéo. Ça ne sera pas sorti du jour au lendemain. Mais je ne comprends pas. Une personne qui tue, enfin, plaisir. Alors, ça n'a rien à voir avec le djihad, justement, ça n'a pas été revendiqué. Ça n'a rien à voir du tout. Je ne sais pas. Comment ça se passe? Je fais des gens pour plaisir. Bon. Je vais fermer cette parenthèse parce que je crois que j'ai déjà fait beaucoup trop long. C'est une parenthèse de 10 minutes. C'est trop. Non. Qu'est-ce qui se passe? La capture dépasse pas les 30 minutes. Bon, bref. C'est. Dans quel monde on vit, quoi? Quel monde on vit? Je ne vous cache pas que. Bon, il se passe aussi des choses de mon côté. Hein. Je suis pas peinard en train de faire des vidéos. Comme si de rien n'était, comme si. Une vie sans histoire, pas du tout. Mais... Honnêtement, c'est aussi un peu pour ça que je fais des vidéos, que je joue aux jeux vidéo, enfin, en général, que je vais beaucoup sur mon ordinateur. Oui, je suis un geek, oui. C'est pas... J'ai envie de me détacher de cette vie de merde, là. Parce que, honnêtement... Ça peut en surprendre certains, mais croyez-moi, j'ai mes raisons. Et même des raisons que personne ne connaît. Enfin, que personne, enfin, ma famille peut-être. Des raisons de son propre. Bon, bref, on s'en fout. C'est pas le moment de déprimer sur une vidéo. Ah, je vous raconte ma vie, mais je sais pas quoi dire d'autre, c'est un jeu de simulation, donc bon, voilà. Bon, j'étais partie sur un sujet, les vacances, je sais pas. Comment je suis arrivée sur le terrorisme en parlant des vacances? Ah si, oui, en parlant de Nice, oui. Donc, évidemment, en Bretagne, j'étais très loin de tout ça. Mais quand même, donc voilà, j'ai fait ma petite vie tranquille. Je suis allée donc 3 semaines chez ma tante, avec ma mère. Et puis bon, là tranquillement, peinard, j'ai envie de dire. J'ai fait du vélo presque tous les jours, voilà, je suis content. Yes! Je suis pas du tout sportif alors. Yes! Je l'ai fait. It's done. Bon, plus sérieusement, j'ai pas fait grand chose à part ça. Quoi. Et sinon, après, je suis allée 2 semaines avec mon père. Et là, on a fait quelques sorties. Donc, on est allé à cette île de Bas, qui est très belle. Hein. D'ailleurs, j'ai posté, si vous voulez voir, quelques photos avec mon appareil photo complètement nul. L'appareil du téléphone. Si ça vous intéresse, sur mon autre profil, Lusorius, bah d'ailleurs, je ne crois que vous ne pouvez pas le voir depuis mon profil Facebook, ni depuis nulle part. Bon, enfin, vous cherchez un peu sur Facebook, Lusorius, vous devrez trouver assez facilement. Donc, Lusorius avec un O et pas un zéro. Voilà, parce que c'est là que je poste des trucs un peu plus privés et que je discute avec du monde. Enfin, cela dit, vous pouvez très bien les voir voilà, sur l'île. Bon, enfin, les photos sont nulles. Voilà. Rien ne vous y empêche. Il n'y a rien de privé. Et sinon, donc, on est allé faire quelques balades ailleurs. Attends, j'ai dit Bréa, l'île de Bas. Non, parce que l'île de Bréa, on l'a faite il n'y a pas longtemps. Bon, bref. On est aussi allé à l'île de Ouessant, qui est une très jolie île. Hein. On l'a fait en vélo. Bon, le temps était pas génial, il faisait couvert, il pleuvait pas, comme dans le jeu, mais il faisait couvert. Mais ça allait parce que comme ça, il faisait pas trop chaud. Il y avait pas trop de vent non plus. C'était la journée idéale pour y aller, quoi. L'île de Bas, par contre, il faisait beau et chaud, et on était aussi en vélo, donc bon, c'est beaucoup de haut, mais à part ça, c'est assez pénible.
enfin, on a pu voir de belles choses. L'île de Pâques que je trouve trop touristique, justement, comme j'ai déjà dit. Puis il n'y a rien de vraiment intéressant. Ouessant, c'est une île qui a sa vie, quoi. Indépendante, entre guillemets. Il y a pas mal de personnes qui travaillent, etc. Mais bah, il n'y a personne qui habite à bas, qui travaille à bas. Je veux dire, c'est une île très proche du continent, en plus. Donc, il faut quoi, 15 minutes pour y aller à marée haute, et à marée basse, il faut 5 minutes, parce que l'embarcadère est beaucoup plus loin. C'est très cool. Bréhat, c'est le mix des deux, quoi. La distance au continent est un peu moins grande, mais elle est aussi assez touristique. Enfin voilà, mes vacances sont bien passées, je dois dire, sont bien passées, voilà. Voilà, j'ai pas bronzé, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas bronzé, non, j'ai pas bronzé. Il a fait bon en plus, il y a une canicule, on est allé 3 fois à la plage, enfin bref, mais j'ai pas réussi à bronzer. Mais je vous jure. Je fais tout ce que je peux. Je ne mets pas ou quasiment pas de crème solaire, à part sur le visage. Parce que bon, sur les oreilles et sur le nez, surtout. Mais à part ça, je ne mets pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, petite. Je raconte ma vie, je suis désolée. J'ai rien d'autre à dire. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est un peu le blanc là, bon, il y a 62 km, mais c'est le blanc, bianco, blue, white. Sinon, pour reparler un peu de la Promoise, c'est une très belle map, évidemment. Elle a été améliorée, il y a pas mal de villes, alors j'ai pas la liste des nouveautés. Hein. Justement, comme je disais, les îles anglo-normandes et l'île de Man, qui ont été faites. Donc il y a l'Angleterre. C'est en gros une amélioration des trucs déjà existants. Et je pense que beaucoup de monde connaît la Promoise. Hein. Merci à Olivier aussi, grand fan de Promoise. Attends, je dois aller à droite, c'est ça. Attends, freiner là. Je vais me taper la barrière, ce sera joli à voir. On va bien faire une bonne livraison, au moins. Oh, si, j'ai un sujet tout droit sorti de derrière les fagots qui va vous plaire, et que je viens d'y penser, je ne pensais pas du tout en parler, mais ça va finir la vidéo tranquillement en parlant de Pokémon Go. Oui, Pokémon Go. Voilà, rien d'autre à ajouter. Je pense que vous savez déjà tout ce que c'est. Alors, j'étais surpris. J'étais très surpris. Je pensais que c'était que les personnes entre 20 et 40 ans qui ont grandi avec les Pokémon, quelque part, qui s'intéressaient à ce jeu. Et pourtant, non. Non. Il y a beaucoup de monde, même dans ma classe, hein, des gens, j'aurais jamais pensé, mais ils s'intéressaient pas du tout aux Pokémon avant. Et bim, ça va sur smartphone, et ils téléchargent, ils jouent un petit peu. Enfin, voilà. Personnellement, je n'y joue pas, je n'ai même pas l'application. C'est pas que ça me plaise pas, mais disons que voilà, je sais pas, j'ai un peu peut-être la flemme de sortir dehors, c'est peut-être aussi ça. Mais enfin, disons, j'ai aussi un peu peur de passer pour un con, téléphone, mon parent aussi, quoi, parce que. Je peux vous dire que mes parents, ils sont pas du tout pour ce genre de jeu. Disons, le seul genre de jeu qui passe encore. Alors, pour mon père, c'est les jeux de simulation. Surtout Train Simulator. Je trouve très bien. Bon. Moi, je lui dis des centaines de fois, mais putain, c'est un jeu complètement buggé et moche en plus. Voilà. Rien de plus. Et pour ma mère, c'est plus des jeux genre... plus poétique, plus recherché, plus... Voilà, enfin, Unravel, c'est le type de jeu qu'elle aime, elle adore. Bound aussi, je pense qu'elle aimerait, je n'ai pas dit. Bon, bref, un jeu qui vient de sortir, Bound. Et je pense qu'elle aime aussi, c'est des jeux un peu... Voilà.
C'est pas l'image, comme disait Atomium, qu'on se fait des jeux vidéo. C'est l'image du jeu vidéo, pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est FIFA Call of. Et Assassin's Creed éventuellement. Voilà. C'est une citation de l'évangile de Will, chapitre 17, verset 40 et suivant. L'évangile selon Will, alias Atomium. La Bible du jeu indépendant. Enfin voilà, c'est clair que beaucoup de monde pense au triple A quand ils pensent aux jeux vidéo. Bah, c'est normal, c'est le plus connu. Hein. Je dis FIFA, Call of. Voilà. C'est le gros boss du jeu vidéo, on va dire. Après, bon, il y a Mario, oui, il y a Mario, évidemment. Il y a Sonic, il y a plus rarement Zelda, qui n'est pas la princesse, mais. Si, qui est la princesse. Qu'est-ce que je dis, moi? Oui, non, c'est libre. Mais voilà, il y a Pokémon. Alors Pokémon, ça dépend honnêtement. Même si ce sont des jeux qui ont beaucoup de ventes, il y a peu de personnes de plus de 40 ans qui connaissent Pokémon. Il y a la barre fait autour des 35-40 ans. Bim, avant ils sont des gros fans de Pokémon et après ils connaissent même pas le nom. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser ces temps-ci, je me mets un peu au japonais, voilà, je sais pas ce qui m'arrive, mais je commence à me mettre un peu au japonais, voilà. Toi-même, tu connais Kenji, Hiragara, truc machin, là. Takana, etc. D'ailleurs, je vous invite à visiter, si vous voulez, la chaîne de Julien Fontanier, qui est quelqu'un qui donne des cours de japonais. Alors honnêtement, certaines de ses vidéos sont vraiment assez inintéressantes, je dois dire. Alors, on n'y apprend pas beaucoup de choses, mais c'est quand même pas dénudé d'intérêt. Alors bon, je regarde pas toutes ses vidéos, hein, j'ai juste survolé quelques-unes de base. C'est sur les kanji et justement les systèmes d'écriture japonais, bon, le magic, vidéo un peu utile puisque c'est l'alphabet latin, quoi. On ajoute une barre sur le haut de temps en temps parce que la lettre est plus longue. Vous voyez, elle est plus longue. Enfin, oui. Mais c'est quasiment du pareil au même. Et voilà. Et j'ai l'impression que ça n'a pas bugué. Incroyable. Vache. Et en plus, je crois pas que j'ai abîmé l'armoire. Non? Oh my god! Oh, c'est une vidéo parfaite, à part le commentaire. Mais je tape mon micro, à part le commentaire qui était nul à chier. Désolé, mais à part ça, c'est une vidéo parfaite. À part les lags aussi. Bon. Ok, point de compétence non assigné 2. Je crois que j'ai assigné la dernière vidéo. Bon. C'est pas grave. Comme je dis, il y a des bugs de sauvegarde, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la DR, la longue distance. Donc, longue distance déjà, parce que ça ne remporte pas de points. Et marchandises de grande valeur. Oui, marchandises de grande valeur, c'est bien. L'ADR, on attendra. J'ai pas envie de transporter des trucs explosifs. Je suis déjà tellement maladroit. Voilà. Alors donc, besoin d'argent, la banque ne peut nous aider. Et besoin de chauffeur avec leur propre équipement, Babers, Zurich. Pour le moment, je crois pas que je vais prendre de camion. Parce que bah, j'ai envie de faire mon petit business. Et pas de louer à la banque, enfin de prendre un prêt à la banque parce qu'on doit rembourser. C'est la merde, je vais juste voir. Depuis combien de temps je tourne? Ah, déjà presque une demi-heure? Oh, mais ça précise. C'était pour pas dire, oh mon dieu. Bref. Donc, bah voilà, je crois qu'on va se laisser là. C'est déjà une bonne vidéo, bien. Donc, j'ai des tics de langage. J'ai joué aussi des vidéos, d'ailleurs, c'est pour m'exercer un peu, pour parler plus librement, parce que, enfin, on aura beaucoup parlé cette année, même si je vais à l'école, même si je sais que parler devant une vidéo et parler en vrai, c'est pas du tout la même chose. Je veux dire, je suis beaucoup plus décontractée quand même. Enfin, ça n'empêche pas que j'ai des tics de langage, voilà.
Donc voilà, sur ce, donc c'était l'USO. Je vous souhaite évidemment bonnes vacances si vous êtes en France et que vous reprenez en septembre, espèce de chanceux. Et sinon, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était l'USO. Ciao tout le monde! Aujourd'hui, on va s'attaquer à Webinette. Alors, Webinette, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on doit savoir ce que les gens cherchent le plus souvent sur Google. C'est mis dans le site. Oui. Je ne sais pas. Et donc, c'est parti.